Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux petits produits qui sont bien sympathiques, en partenariat avec Banggood. Donc la société qui me les a envoyés, et le premier produit qui est de la marque Mantitech, ça va être quelque chose d'assez sympa en termes déjà d'accessibilité et de connectique. Alors qu'est-ce que ça va être ce petit produit? On est comme d'habitude avec une petite boîte devant nous, avec au-dessus, alors cette boîte est très épurée, au-dessus on a la marque de l'appareil qui est donc Mantitech. On va tout de suite ouvrir le boîtier et qu'est-ce que nous propose cette marque? Ici, on a, comme vous le voyez, c'est un seul câble enveloppé dans du bulle. On va l'enlever et on retrouve ici quelque chose de bien sympathique, un hub USB. Alors on a trois ports USB en 2.0 et un lecteur de carte SD. Donc c'est vraiment pas mal du tout en termes de connectique supplémentaire à votre PC. Ici on a une petite bandelette que l'on va décoller, coller ceci sur le bureau. Alors ce petit hub a une particularité, on va tout de suite la voir ensemble. Alors on est sur un hub de couleur verte et blanche, de connectique USB 2.0 et on est sur un hub 5 points. On a donc 3 ports USB où vous allez pouvoir brancher smartphone, clavier et tout autre appareil qui se connecte en USB 2.0. On a un lecteur de carte SD et un lecteur de carte micro SD. On a 5 fonctionnalités possibles à brancher sur ce petit hub qui est réellement pratique. Au niveau de la vitesse de transfert, on est sur du 480 mégabits seconde. La longueur du câble est de 94 cm, donc on est pratiquement sur 1 mètre de câble, ce qui est plutôt pas trop mal. 11,9 cm, 8,9 cm de large et 2 cm d'épaisseur. C'est vraiment pas très épais par rapport à ce petit hub qui va vous rendre vraiment des services. Vous allez pouvoir brancher un disque dur jusqu'à 2 Tera. On va donc voir maintenant sa particularité et vous allez voir que c'est assez joli. Voilà donc que lorsque vous avez branché votre hub, voici ici, il est tout éclairé. Il fait des passages de lumière bleu, vert, rouge, rose. C'est vraiment très sympathique sur le bureau. Ça peut vraiment égayer votre bureau. Et tout ça pour 6,99€. Vous allez le trouver sur le site Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description de la page. C'est vraiment très sympa en termes de design. Et ça peut vraiment vous faciliter la vie pour augmenter la capacité de votre ordinateur en termes de connectique. Voilà donc au niveau des lumières, c'est plutôt vraiment pas mal réussi. Et sur votre bureau, ça peut vraiment faire sympa le soir lorsque vous allez brancher différents appareils. Le deuxième objet que je voulais vous présenter, c'est tout simplement un câble qui va réagir tout simplement à la température grâce à ce câble. Du moment où ici, vous êtes sur un câble rouge, vous êtes donc à 20 degrés, ce câble restera rouge. Dès que vous allez passer de 20 à 25 degrés, ce câble va commencer à faire des petites taches jaunâtres sur le câble qui va vous prévenir que la température de chargement de votre appareil a commencé à changer. Et au-dessus de 28 degrés, le câble deviendra tout jaune, donc il vous stipulera que la température a réellement augmenté et il va falloir faire attention. Le câble qui change de couleur est vraiment sympa. Alors c'est très peu cher, donc peut-être assez cool de regarder son câble changer de couleur
Donc c'est un petit câble bien sympa avec un petit prix et que l'on trouve toujours aussi sur le site de Banggood. Pas de problème, je vous mettrai là aussi le lien pour que vous puissiez aller le voir. On est sur un câble à 3,99€, un USB 2.0 et on le trouve en USB de type C et vous pouvez même trouver ce câble en Lightning. Alors ça peut être vraiment rigolo, cool, fun pour les jeunes par exemple qui veulent avoir leur câble qui change de couleur lors du chargement de leur smartphone ou de leur tablette. Donc voilà, deux petits produits bien sympas que je voulais donc vous présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je mettrai les liens de la description pour le hub et pour le câble. Vous aurez les deux liens qui dirigent donc sur le site de Banggood. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine, en espérant vous revoir très vite. Allez, salut !